Hey les gens, alors il y a quelques temps j'ai fait un team building sur Ratatakanto. Aujourd'hui on s'attaque à Ratatak d'Alola. C'est un jeu de mots de merde, hein, je suis désolé pour ce jeu de mots pourri. Donc Ratatak d'Alola, à la différence de son homologue de Kanto, il n'a pas cran, donc du coup il faut le jouer avec agitation et le life orb. Et surtout, il n'a aucune attaque qui touche les types acier, ce qui est dommage. Du coup, voilà, il a Kuba, poursuite, retour et Bachouille. Toutes les attaques sont stabées. Je l'ai entouré de Ténéfix parce que Ténéfix résiste aux attaques combat qui sont très handicapantes pour Ratatak d'Alola. Hein. Je rappelle qu'il a une double faiblesse combat. Donc du coup, c'est un classique avec soin, feu follet, provoque et sabotage. 1. Le bon Ténéfix des familles qui stalk pendant 3000 ans. Sablero d'Alola qui sera une autre vidéo pour une prochaine vidéo, mais qui est quand même dans cette team là. Avec les restes et puis tour rapide, piège de roc, icicle crash et séisme. Du coup, il n'a pas tête de fer, mais au moins voilà, il peut mettre et enlever les pièges de roc et tout ça. Altaria, qui est un bon Pokémon qui peut toxique et atterrir avec le Life Orb. Et en plus, qui a Medic Nature, qui fait que si on l'enlève, il perd son problème de statut. Et Metang, en fait, qui se marie très bien avec Altaria. Parce que Metang, déjà, ne prend... voilà, Metang est un bon Pokémon avec les Volirock. En plus, il a Clear Body, il a les pièges de roc, Meteor Smash, Séisme et Piste au Point. Et pour finir, Floedzle, parce que voilà, ce pauvre Pokémon est abandonné. Et d'ailleurs, je pense que... ouais, j'allais lui mettre le... Comment ça s'appelle ? La veste de combat, mais non, en fait, il tape déjà pas assez fort. Du coup, le Life Orb lui profite très bien. Donc, voilà, on va faire un match avec... Ah, oui, non, mais j'ai pas sélectionné de format. C'est mieux quand même. PU. Voilà, ma team est valide pour le PU, donc on va faire un match en PU avec cette team là. Un Ratatak d'Alola, comme le Ratatak de Kanto, sont tous les deux en PU. Donc on va voir comment ça se passe. Je vais lead avec Metang parce que, et ben, déjà, et ben, le seul qui peut me faire chier, c'est le. Non, c'est bon. Seul qui est un peu dangereux pour moi, c'est notre cher Clédol, parce que j'ai pas l'évitation. Hein. On va mettre les pièges de roc. Ouais, bon, il a Leech Seed. J'ai rien contre le Leech Seed, mais c'est pas grave. On va voir combien font les dégâts de Meteor Smash. Ah bah ouais, bah il a compris en fait. Ouf, ça lui a strictement rien fait. Par contre, j'ai... Floedzle contre Clédol. Bon, il spin, ça c'est normal, mais du coup, bah, je vais faire laser glace parce que si on met, ouais, voilà, si on met le sac de nœuds, c'était sûr. Waouh, les dégâts! Je rappelle, sac de nœuds est évolu rock, hein, donc quand même, c'est un peu violent là. Bon, déjà, j'ai enlevé le problème, comment ça s'appelle, le problème Tangela, hein. Aïe, je m'attendais pas à faire aussi mal que ça à ce Pokémon là. Bon, je reste, hein, mon Floedzle a fait le boulot par excellence. Je meurs, par contre je peux mettre mon Ratatak d'Alola maintenant et faire poursuite. Est-ce qu'il va switch? Je sais pas. Ouais, il voulait switch, mais non. Allez, au revoir, Raichu. Oui, parce qu'en même temps, c'est sûr qu'il allait vouloir switch. Hein. Y a pas photo. Ah, ok, il set up. On va voir les dégâts de retour, du coup. Il devrait mourir du Sucker Punch maintenant. Hein. Ah non, j'ai raté. Comment ça, j'ai raté Sucker Punch? Ah oui, il a agitation, ce con! Ah, ok. Ok. Ratatak est pas... Mais...
Ah putain, les citations de mes deux. Oh, je suis pas mort. Lui non plus. Oh, il a baissé sa défense. Oh. Faites qu'il ne switch pas. Mais ah ah putain, agitation, ça fait qu'on rate les trois quarts de nos attaques, c'est chiant. Bon, je vais mettre les pièges de rock, tiens. Oh, il me fait un move, vous êtes quoi? Ah bah, move, vous êtes de ténèbres. Ouh, ça fait mal, putain. Donc, il est plus rapide que moi, mais sans move, vous êtes, il me tuera pas, je pense pas. Ouais, non. Hop, donc lui, il meurt. Ouais, là, je crois que le Cycle Crash va faire super mal, hein. Ah oui, bah non, en fait. Il est plus rapide que moi. Altaria, qui est très bien pour gérer les types plantes, du coup. Altaria, bah, Fire Blast, hein. Ouh, ça prend éboulement, ce truc. Je savais pas. Ouais, par contre, il est Life Orb, donc... En même temps, je peux bien comprendre, ce Pokémon tape pas extrêmement fort. Hein. Ah bah, il forfait. Bah, en gros, je pense que il aurait tanké un Draco Météor, mais après, je pouvais le brûler avec le Ténéfix, tout ça. Donc bon, voilà. J'espère que ce match vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Les Waka Waka.